Ce soir est un soir particulier, c'est Jeudi Saint, le soir de la Pâque, le soir du dernier repas, le soir de la scène. Ce soir est un soir très particulier puisque nous sommes à distance les uns des autres, mais nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés. Autant que cela est possible, ce temps de lecture de la Bible, de musique, de prière et de mémoire nous rassemble. Malgré ce qui nous tient éloignés les uns des autres, l'Esprit Saint passe en nous et entre nous. La communion dans la foi nous rassemble toujours dans l'amour infini de Dieu. Nous suivrons dans les textes bibliques le chemin tracé de la Pâque juive à la scène, institué par Jésus-Christ lors de son dernier repas avec ses disciples. Recueillons-nous, mettons-nous à l'écoute. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? Il envoya deux de ses disciples et leur dit : Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison : Le maître dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pour nous aussi, la Pâque approche. Ouvrons notre cœur comme on ouvre sa maison pour que le Maître puisse célébrer la Pâque. Dieu a besoin d'une place dans nos cœurs pour la mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Dieu a besoin de témoins pour que son amour infini ne soit pas oublié des hommes. Faisons une place dans nos cœurs et souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour son peuple.
Aujourd'hui, comme Jésus l'a fait avec ses disciples quand il a célébré la Pâque, nous écoutons la loi de Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances, que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions toujours être heureux et qu'il nous conserve la vie. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Voici comment le livre de l'Exode institue la Pâque pour le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussant des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Sur la table de la Pâque juive, sur la table du Céder, il y a le maror, les herbes amères, signe de l'amertume de la servitude, signe du besoin pour nous d'être délivrés. Sur la table du Céder, il y a l'œuf dur en signe de deuil devant la dureté du cœur de Pharaon. Sur la table du Céder, il y a 4 verres de jus de fruits de la vigne en mémoire des 4 verbes pour dire « libérer ». Sur la table du Céder, il y a de l'arroset, mortier que fabriquaient les Hébreux esclaves en Égypte. Il est aujourd'hui sucré, converti en solide lien entre les pierres et les édifices spirituels. Dans le livre de l'Exode, il est écrit aussi «
En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Sur la table du céder, il y a l'os de l'agneau, signe du bras de Dieu étendu pour sauver son peuple, signe de l'agneau offert en sacrifice pour le pardon du péché. Dans le livre de l'Exode, il est encore écrit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau entier, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par la fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Sur la table du céder, il y a la matza, le pain sans levain, signe de la précipitation de la fuite du peuple de Dieu, signe de l'obéissance du peuple qui entend le signal du départ et s'en va vers le salut, sans attendre que son pain soit levé. Car il est écrit, au livre de l'Exode, chapitre 12, verset 34, « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. » Jésus et ses disciples sont réunis pour partager le repas de la Pâque. Pour tout juif, le repas pascal pris en famille marquait et marque encore le souvenir de la libération d'Égypte. « Ce jour-là sera pour vous un souvenir, » dit le livre de l'Exode, « et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » La Pâque juive n'est pas seulement le souvenir d'un fait ancien et révolu. Ainsi,
la Haggadah de Pâques, autrement dit le rituel de la Pâque juive, dit « En toute génération, c'est une dette pour l'homme de se voir comme si lui-même était sorti d'Égypte. Car il est dit « Tu raconteras à ton fils en ce jour-là, disant « En vue de tout ceci, le Seigneur a agi pour moi quand je sortis d'Égypte. » Non point nos pères seulement il les sauva, mais nous-mêmes en eux il nous sauva. C'est pourquoi la dette est sur nous de remercier, de louer, de célébrer, de hausser, d'exalter, de magnifier, de glorifier et de bénir celui qui fit pour nos pères et pour nous tous ces signes. Il nous tira de la servitude vers la liberté, de la détresse vers la joie, du deuil vers la fête, des ténèbres vers la grande lumière et de l'oppression vers l'affranchissement. En exprimant le désir ardent de prendre ce repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus montre que la libération n'est jamais quelque chose d'ancien, mais qu'elle concerne chacun, chacune, à chaque génération, quelle que soit l'époque. Ce soir-là, les disciples partagent avec Jésus un dernier repas ensemble. Au cours de ce repas, Jésus fait une déclaration solennelle. D'abord, il annonce que l'un d'entre eux va le livrer. On imagine la consternation des disciples, car ils n'étaient pas préparés à une telle annonce. Jésus ne dit pas « qui ?», mais insiste sur le fait que ce sera bien un convive qui est autour de cette table et qui prend part au repas de la fête. Après l'annonce de cette trahison, Jésus intervient pour distribuer le pain et faire circuler une coupe, geste auquel il donne un sens particulier. Jésus prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt et le donne à ses disciples. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Cette parole apparemment banale est en train de devenir une parole d'éternité, à la force insoupçonnée. Jésus prend ensuite la coupe et fait de même. Cette coupe contient le fruit de la vigne et Jésus lui donne un sens nouveau. Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Ce sera une autre parole d'éternité. Ici se construisent les fondations d'une nouvelle relation, prémices d'une alliance nouvelle, comme autrefois ce fut le cas avec Dieu et son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Mais il faudra encore attendre l'auberge d'Emmaüs pour comprendre la signification de ces paroles. Nous remarquons que Jésus ne dit pas « Faites ceci en mémoire de moi ». En effet, ce sera rajouté un peu plus tard dans la liturgie de la première Église. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au temps de la mémoire, mais au temps de l'actualisation de la Pâque d'autrefois. Il est écrit, je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Les disciples acceptent de partager ce repas. Ils acceptent aussi, sans le savoir ni le comprendre, le don que Jésus va faire de sa propre vie. Par le geste du pain et du vin et par les paroles qui suivent ce geste, Jésus prophétise sa fin toute proche, mais aussi sa présence future au banquet du royaume de Dieu, d'une façon presque naïve. C'est une promesse que rien ni personne ne pourront prouver, mais que chacun sera appelé à croire. Mais il y a d'abord les ténèbres à traverser avant de passer à la lumière. Puis il chante les psaumes, comme le veut la coutume de la Pâque juive, et ils se rendent au mont des Oliviers pour un dernier moment d'intimité et de prière.
Jésus continue de parler à ses disciples en leur annonçant qu'ils vont tous chanceler et même tomber, à commencer par Pierre, qui s'en défend. Les autres peuvent trébucher, mais certainement pas lui. Mais Jésus lui annonce qu'il sera le premier à déserter, cette nuit même, avant les premières lueurs de l'aube. Jésus sera absolument seul dans quelques heures, sans ses disciples et dans le silence de Dieu. Ce soir, nous ne pouvons pas être ensemble autour de la table pour partager le pain et le vin. Confinement oblige. Il va nous manquer la présence physique des frères et des sœurs pour une véritable communion. L'essentiel, c'est de prendre conscience comment ces paroles du dernier repas de Jésus résonnent en chacun et chacune de nous. En partageant le pain et la coupe, Jésus dévoile en un instant le don qu'il fait de sa personne, comme il l'avait annoncé au moment de son enseignement sur le pain de vie. Il laisse comme signe ultime de sa présence qu'un peu de pain et un peu de vin à partager. Si ce pain et ce vin symbolisent le don qu'il fait de sa vie, alors, lorsque nous partageons à notre tour ce repas, quelle qu'en soit la forme, Jésus nous donne la force d'être un peu plus que ses témoins. Chaque fois que nous partageons ce repas, nous acceptons le don que Jésus a fait de sa propre vie. Et il nous donne la force d'en faire autant par notre service auprès de celles et ceux que nous rencontrons. Parce que c'est à ce prix que la parole continue d'être proclamée, et c'est par tous les disciples, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, que le Dieu de Jésus-Christ s'incarne en permanence, de génération en génération, pour toute l'humanité. Amen.
Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce soir nous ne pouvons pas partager tous ensemble le repas de la scène. Mais nous sommes réunis par la communion dans laquelle tu accueilles ce qu'anime le souffle de Jésus le Christ, ton Fils et notre frère. Nous sommes rassemblés dans la prière, chacun là où il se trouve, et dans le partage de la louange pour le don de Jésus le Christ, pour le don de ton amour inconditionnel, et pour le don de la grâce qu'il a manifestée. Nous sommes réunis par ton esprit qui ravive en nous la mémoire de ce que nous ont transmis ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous partageons la prière de tous. Pour ceux qui ont besoin de soutien, de réconfort, de soins et d'humanité. Pour ceux qui ont besoin de consolation dans leur détresse. Pour ceux qui ont besoin de persévérance et de courage dans leur service. Pour nos proches éloignés et pour nos voisins. De tous, tu veux être lumière pour leur existence, force et espérance dans leurs épreuves, énergie dans leur fraternité et créativité dans leurs rêves. Que ta bonté, ta fidélité, ta confiance et ton espérance accompagnent ton Église en ces jours d'épreuve. Nous t'en rendons grâce. Amen. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et il la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Prions encore. Notre Père, ce soir nous sommes privés du partage de ce repas par la pandémie qui nous confine chez nous. Nous ne formerons pas de cercle autour de la table. Nous ne passerons pas le plat et la coupe à notre voisin. Et ceci est difficile et douloureux. Peut-être certains peuvent-ils prendre ce repas dans le cercle familial, mais d'autres sont seuls. Nous portons dans nos cœurs les noms et les visages de nos frères et sœurs, partageant le même manque,
la même tristesse de l'absence et de la distance. Nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, inspirant à accueillir dans nos cœurs, nos esprits, nos êtres, la nourriture de vie et de foi que tu donnes généreusement. Mais ton esprit, souffle de grâce et de paix, n'est contenu par aucune barrière, par aucune distance. Et c'est lui qui inspire en nous la confiance pour ton amour et ta fidélité. Et c'est en lui que nous te prions ensemble, en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est lui livré lui-même en offrande pour nous. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Et le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Le Seigneur est avec vous. Amen.